Nous sommes sur une compétition de tir sportif de vitesse que nous avons appelée la Pirate Game et nous en sommes à la 3e édition. Le tir sportif de vitesse, c'est une discipline mondiale qui vient de l'IPSC, donc International Practical Shooting Confederation. Ça consiste en trois types d'épreuves, des speed shoots, des medium courses, des longues courses. Et le but étant d'aller le plus vite possible en étant le plus précis possible en tirant sur les cibles. Il existe plusieurs types d'armes différentes, des pistolets standards, des pistolets production, donc des armes qui sortent de la boîte sur lesquelles on n'a fait aucune modification. On peut également tirer avec des armes de type open, donc sur lesquelles on peut modifier des choses, mettre une visée optique, un compensateur, etc. Sur les parcours, plusieurs difficultés. Il peut y avoir des déplacements latéraux, de la course, du tir en marche arrière. L'essentiel des tirs se font en mouvement, donc toute la difficulté est pour le tireur de stabiliser son tir et d'être capable de tirer en déplacement. Le tir sportif de vitesse est très contrôlé. Chaque tireur a un arbitre derrière lui et un second arbitre relève les points à la fin du match. Et nous sommes draconiens en matière de sécurité puisqu'il y a des angles à respecter. On ne peut pas tirer à plus de 180 degrés. Si le tireur franchit la ligne de ses 180, il est disqualifié immédiatement. En ce qui concerne les changements de chargeur, le fait de régler un enrayage, ça doit toujours se faire le doigt hors du pontet. Et si un arbitre constate une infraction à cette règle, il s'agit d'une disqualification du tireur. Nous prenons les points, nous prenons le temps, nous divisons les points par le temps, cela donne un facteur. Le meilleur facteur remportera 100% des points du match et l'ensemble des autres compétiteurs auront un résultat exprimé en pourcentage du vainqueur. Et c'est pour moi extraordinaire puisque depuis 3 ans qu'on travaille sur ça et 3 ans qu'on fait ce Pirate Game, c'est la première fois que nous avons autant de participants et qui nous viennent de l'étranger. Where you have to consider time and also accuracy. I always check how many rounds I am expected to shoot and where I will walk and where I will step and where I will reload. I always have to find the best solution that will be fastest and also safest, that I will not make mistakes. Ce qui me plaît, c'est la compétition, rencontrer de nouvelles personnes et dans d'autres pays et passer du bon temps. Voilà. Sur le plan international, il est intéressant de dire que pour la 3e édition de la Pirate Game, nous avons des tireurs de République tchèque qui sont là, nous avons des Russes qui sont là, des Américains. Donc c'est une compétition qui a pris une vraie dimension internationale et nous sommes très fiers après 3 éditions de cette compétition d'avoir fait venir nos amis de différents pays, voire de très loin, pour s'affronter sur les stages de ce match.